Salut, salut, c'est Rosaïs. Aujourd'hui, on est au parc floral de la Roseraie et selon la ville de Nantes, nous sommes le 16 janvier, donc nous sommes au printemps. On va profiter du parc dans sa saison de printemps. C'est parti. Concrètement, on est vraiment en hiver au mois de janvier. Il fait plutôt froid, mais c'est vrai qu'il y a un air de printemps. Ces bourgeons sont poilus. Cette espèce d'amas de ronces qui ont l'air un peu maléfiques. Je pense que en bonne saison, ça doit être rempli de magnifiques roses. Peut-être. Sûrement. En attendant, ce sont plus les magnolias là-bas qui sont intéressants. Alors c'est vraiment magnifique, ces magnolias sont sur leur début d'éclosion. En plein mois de janvier, il y a 2 ans, c'était au mois de mars que la pleine floraison était arrivée dans ce même parc. D'autres jolies fleurs aussi commencent déjà à arriver. La nature se réveille. La variété de rose Paul Scarlett a déjà cherché à éclore, mais tout en haut. Alors ça c'est marrant, il y a une variété de rosiers qui s'appelle Tour Eiffel 2000. Pour l'instant, c'est encore à l'état de tomate cerise. Oh, ça ne va pas très haut, hein, la Tour Eiffel. Comparé à Paul Scarlett. Et voici l'allée des vieilles gloires. Pour l'instant, les rosiers ne sont pas encore éclos. Mais si j'y pense, je reviendrai faire une vidéo ici au printemps. Et voilà. Waouh, c'est magnifique. Et on a directement vue sur l'Erdre. La plus belle rivière d'Europe, classée par François Ier. Et voici un cadran solaire. Donc on va se positionner où il faut. Nous sommes début janvier. Voilà. Et donc, avec mon ombre, on en déduit qu'il est 2h de l'après-midi. C'est vrai. Et voilà le soleil à 2h de l'après-midi en France, avec des nuages crémeux. Et voilà pour ce petit tour d'horizon de saison. L'hiver, le mois de janvier en France, à Nantes. Voilà comment se comporte la nature. Mais qui se cache par ici? Ohé!